Après le tremblement de terre, j'ai passé un mois à dormir à la Belle Étoile, en compagnie d'autres personnes dont les visages m'étaient inconnus. Je suis parti vers Saint-Domingue le 12 février 2010. J'ai dû passer la nuit à l'intérieur d'une toilette pour attendre mon départ le lendemain à 2h de l'après-midi. De Saint-Domingue, je suis arrivé à Toronto vers les 1h, 2h. Ensuite, prendre l'avion pour Montréal. Arrivé à Montréal, à l'aéroport de Montréal, j'ai retrouvé ma fille qui ne m'avait pas reconnue et moi non plus. Elle est passée devant moi, j'étais restée figée et elle est retournée pour dire « Mamie ». Elle s'est jetée dans mes bras. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à pleurer. Et mon gendre a eu à me dire « Mamie Myrta, tu n'es plus en Haïti, tu es à Montréal ». Je lui ai répondu « Oui, je suis à Montréal, mais le building ne va-t-il pas recommencer à secouer, ne va-t-il pas tomber sur moi? » Il m'a dit, « Mamie Myrta, tu es à Montréal. » Les goudouas faites, moi t'es la ville avec ti sur moi. Bon, comme nous connaissons nous tous fait e-commerce, en tatouat nous-mêmes, pendant nous fait ti achat nous, pour nous acheter ti bagay, pour nous faire commerce, nous avons entendu un gros bruit, mais nous pas de penser si c'est tremblement de terre. On y a l'en garde nous et mûr, poussière, non, bon, non. Comme c'est la machine, même, à frappe à la machine, moun, à frappe à la moun. On connaît la ville, la grand pile, moun, à faire commerce, manger, etc. Bah, chavirer, un tête à deux choses. On nous dit, ah, c'est tremblement de terre. On y a l'en ouè ça, nous, petit côté, nous étions dans un petit coin. Après ça, c'est dégâts, mourir, passer sous le monde, saisir, pas qu'à parler. On est allé nous ça, nous bouger fort, gens. On est allé nous pas arrêter la ville là, non. Nous dit, la caille là. Nous dit, bon, si la caille là, grand doit y prendre. Nous rentrons dans le tremblement de terre. On est allé marcher sous le monde, nous résister, nous marcher à pied, là, nous y vivre. C'était et carrefour. Mon repos 40, nous t'es habité, niveau 538. Car là, t'es gagné en l'air, t'es gagné en bas, là, nous venons tomber plate. Même propriétaire là, mourir, l'autre moun yo mourir. Mais si bon Dieu pas là, si nous t'es dans la tout, nous t'as mourir. Et plus pas que ça. On est après ça, nous mettez tente, nous fait trois semaines en bas tente, mais conditions yo pas de bon, pas gain de l'eau, difficulté pour jouer manger. Comprendre, poussière, pour chaleur, encore, qu'on est pour me discuter. Bon, côté m'te la ville,
bon Dieu fait pour moi et tremblement de terre a été passé, m'pa de gen rien. Même te gen semaine avec, semaine réconforté moi, bon Dieu pour moi m'pa gen rien. Même gen deux petites et qui m'te quitté qui nan mes parents yo, ti côté ti moun yo te rete a, yo pa gen rien. Moi dis bon Dieu merci, c'est après tremblement de terre, semaine en fil pour moi, moi entré Canada. Le tremblement de terre maritime de devant la caille. Pendant que j'étais à moi tout pied bois en branle, tout mon a couru mouvement, ça qu'a relé. Mandé pour qui ça dit que c'est ça que le tremblement de terre là, tout qu'a a crasé poussière. Et puis moi même de dehors m'a vendre. Nous tout rester dehors pas gain moyen pour entrer dans caille encore. Nous tout rester dehors, nous dormi dehors pendant 3 mois après tremblement de terre là parce que n'a pas gain caille. Toujours. Toujours, quand on est face aux familles haïtiennes, il faudrait se poser les questions suivantes. Quel haïtien que j'ai en face de moi? C'est quoi le chemin parcouru pour être ici à Montréal? Comment puis-je vraiment aider les gens qui viennent d'Haïti, qui ne parlent que créole, qui ont toujours vécu selon le mode culturel créole, et comment comprendre ces gens-là dans leur langage et dans leur vécu culturel. Alors ça, ce tremblement de terre a montré que la souffrance était générale, était commune. Quel que soit en fait le groupe culturel, quel que soit le groupe socio-économique. Mais par rapport à ces groupes culturels, on pourrait parler des sous-groupes, des sous-cultures. Par exemple, hein, des cultures rurales, c'est Negnomon, de cultures urbaines, c'est Neglaville. On pourrait parler de culture de pauvreté, comme on voit en fait dans les bidonvilles, en fait des grandes villes à Port-au-Prince. L'histoire des Haïtiens nouvellement arrivés à Montréal, ce n'est pas un début d'une histoire, ce n'est qu'une étape. Parce qu'il y a beaucoup d'Haïtiens depuis le pays d'origine qui ont vécu la migration, qui ont laissé le milieu rural pour se rendre en fait dans les milieux urbains. Mais ça entraîne des séparations douloureuses. On laisse une partie de la famille en fait dans le milieu rural. Des jeunes se retrouvent en fait dans le milieu urbain, dans les bidonvilles, en situation de détresse, en situation d'exposition à la drogue, à la prostitution. Eh bien, c'est vraiment important quand dans nos interventions cliniques, dans les interventions de terrain, d'en tenir compte. Les années Duvalier sont les années de bouillonnement de l'exil, sont les années où Montréal devient, je dirais, presque la capitale culturelle de l'exil haïtien, déplaçant Paris, qui dans les années 60 avait, avant les années 60, jouait ce rôle pour la présence haïtienne internationale. À partir donc de ces années, on voit émerger de nouvelles figures aussi dans la littérature haïtienne, c'est-à-dire des figures plus jeunes comme Daniela Ferrière, comme Stanley Payan, comme Joël Desrosiers, Robert Auriol. En fait, on a tout un bouillonnement nouveau. Par exemple, il y a l'émergence de voix féminines. Il y a très peu de voix féminines jusqu'aux années 80. L'on voit émerger des gens comme Marie-Célie Agnan, Stéphane Martelly, Gigi Dominique. Le séisme a révélé les liens profonds qui se sont tissés entre les Haïtiens et le Québec. Mais aussi le séisme, parce que par une sorte de hasard de l'histoire, il y a eu, tous les écrivains haïtiens étaient présents en Haïti, on a eu donc des témoignages extrêmement importants, des œuvres littéraires magnifiques qui sont sorties de ce séisme, parce qu'on avait cette grande rencontre internationale pour la première fois à Port-au-Prince. Et il faut dire aussi que le séisme a révélé aussi, je dirais, que les Haïtiens désormais faisaient partie de la famille au Québec.
le projet SILA a surtout été un rôle de coordination, mais également j'ai été l'instigatrice de ce projet-là. Et suite au séisme, ma direction, disons, et mon directeur Gilles Rioux était le coordonnateur vraiment d'un comité à l'interne ville qui coordonnait tout ce que la ville voulait faire vraiment pour et manifester sa solidarité envers la communauté haïtienne à Montréal. Également, dans le cadre d'une entente avec le ministère de l'Immigration et des communautés culturelles, nous développons des projets pour l'intégration des immigrants. Et c'est dans ce contexte-là que nous avons proposé le projet SILA, qui est soutien à l'intégration, liaison et accompagnement. Dans l'ensemble, je peux dire vraiment que c'est un projet qui est nécessaire. On l'a réalisé sous un angle de projet pilote. On a vu vraiment toute l'importance que ça a de bien accompagner les gens dans un processus d'intégration, d'autant plus que mes compatriotes qui arrivaient d'Haïti venaient d'être victimes du séisme en Haïti. Mais en plus, il fallait quand même, dans ce processus-là, tenir compte du choc culturel que les gens pouvaient vivre, de l'aspect vraiment de s'approprier leur nouvel environnement et de travailler avec le milieu, avec les organismes, de faire en sorte là, que leur nouvel environnement, que leur nouvelle vie soit une réussite à Montréal. Je m'appelle Gracia Sanon. Je suis arrivé au Canada en 1994. C'est mon père qui m'a fait venir pour étudier. Depuis, j'habite toujours à Montréal. Je suis de profession infirmier auxiliaire. Et que, il y a quelques mois de ça, j'ai parrainé ma mère. Moi, je suis Anna Lachou. Moi, je suis fait au Caille du Fond. Moi, je suis entré ici au Canada. Petit garçon qui devait rechercher après tremblement de terre. Moi, je suis Jacqueline François. Moi, je suis à Port-au-Prince. Moi, je suis rentré au Canada le 30 avril 2012. C'est à cause de séisme qui fait rentrer au Canada. Moi, j'ai comme parrainé, c'est Marie-Lucie François ainsi que Mireille Lanou. Moi, c'est Marie-Sonie Vancol. Moi, c'est sœur, grande sœur Jacqueline François. Moi, entré Montréal 30 avril 2012. C'est à cause de ça qui fait m'entrer. Marraine, moi, c'est Marie-Lucie François, Mireille Lanou. Moi, fête Port-au-Prince, Haïti. Moi, je suis Marie-Lucie, je suis fait pour deux paix. Je suis rentré à Montréal en 89. Moi-même, pour tremblement de terre en 2010. Moi-même, avec petite moi, nous venons parrainer Jacqueline et Marie-Sonie. Je m'appelle Rose-Marcelle Baptiste. J'habite à Montréal depuis l'été 2005. Le petit garçon que vous voyez ici se dandiner sur la luge, c'est Ephraim Semixan, mon fils, et il a 4 ans. J'ai parrainé ma mère, Myrta Baptiste, suite au séisme en Haïti du 12 janvier 2010. Nous habitons tous les trois ensemble à Villeray Parc Extension. Je m'appelle Myrta Baptiste. Je suis née à Port-au-Prince. En Haïti, je suis un natif du Bélier. En Haïti, j'étais professeur dans différentes disciplines telles le français, la sténo, la dactylo. Je suis arrivée à Montréal le 13 février 2010, après le tremblement de terre. Pour tous ceux qui sont encore là, la vie continue. Parce qu'on est encore là, on n'est pas encore là. Il y a ceux qui ont quitté, mais il y a ceux
qui doivent continuer à vivre pour eux. Donc la vie continue. Battez après les pays, tête en bas. La communauté au fil des ans s'est dotée de différents modes de représentation, parmi lesquels les organismes communautaires qui sont les plus anciennes formes d'organisation de la communauté. Parmi les premières associations, on retrouve le Bureau de la communauté des Haïtiens de Montréal et la Maison d'Haïti, tous deux fondés en 1972. Ces associations étaient mises en place pour faire la promotion et la défense des droits de leurs membres, et avaient comme objectif l'intégration et l'éducation de ces derniers. Au fil des ans, différents centres, organismes de coopération pour le développement d'Haïti et associations professionnelles, associations de médecins, infirmières, travailleurs sociaux, ingénieurs, enseignants, gens d'affaires, se sont formés pour répondre aux besoins éducatifs, économiques, culturels et sociaux de la communauté haïtienne au Québec. Il existe également des regroupements et conseils nationaux qui sont des groupes de pression et de représentation à différents niveaux de la politique provinciale et fédérale. La presse et les médias audiovisuels, journaux, revues, radios privées, radios communautaires, émissions de télévision occupent une place importante. La radio CEPAM émet de Montréal et couvre l'actualité de la communauté haïtienne du Québec et d'Haïti. Certains moments forts marquent la communauté haïtienne. En septembre 2008, suite aux inondations de la ville des Gonaïves, les Québécois posent des gestes de solidarité et d'entraide pour venir en aide à la population haïtienne sinistrée. Oui, je suis venu ici au Canada le 28 décembre 2011. Mais là, je suis venu, depuis l'aéroport, je suis commencé à sentir frais du air. Mais c'est un avant-goût. C'est là que je suis arrivé là, quand je suis à toi. Je suis venu avec Jean Balaye. Quand je suis allé pour me sortir, il faut que ce n'est pas qu'être admetté, mettre mon manteau, mettre chance d'aller qui pour protéger. À cause de frais du air, je suis mis des bottes. On dit, oh, ça, c'est un pays de la neige. Alors, c'est au fur et à mesure que moi, dans le pays, quand j'ai commencé à habituer ma pour un système pays, moi, avec Jean Baye, au marché, qui j'ai tout bas n'est pas facile, mais il y a une série de bagailles que vivre là, j'ai le venu, ou adapter. Hiver là, bon, l'hiver là, m'sadule fait. Pour sortir, c'est pour un bail qui est facile. Surtout l'orage, sortir, c'est pas un frère, vous sentir, vous faut bien, vous faites, ou pas sentir, vous êtes quand même sorti. Parfois, l'eau sortie pour rentrer, l'eau vient et même moment, même clé, il y a un grand moment. Mais quand il y a ça, un petit genre amélioré, elle est venue. Parfois, elle est venue. Pour m'ouvrir la porte là, mettre clé, je ne suis pas capable de le même gilet. Eh bien, nous connaissons. Après ça, nous venons habitués. Nous venons habitués à arriver. Nous venons habitués. Nous résignons. C'est comme ça. Assez fort, c'est comme ça. C'est tout le pays à tes choses. Moi, je suis arrivé ici en 1994. J'ai 14 ans. C'est mon père qui m'avait parrainé. Fait que, à mon arrivée, moi, ça n'a pas été trop difficile pour moi de m'adapter parce que j'étais quand même jeune, c'est que ça m'avait affecté un petit peu de laisser toutes mes amies en Haïti. Mais l'adaptation a été quand même assez vite et assez facile parce que la barrière linguistique n'était pas trop importante pour moi. Après ça, l'envie de retourner en Haïti en 2002, il y a une barrière qui me capte au monde qui manquait le plus. C'est de m'accrocher après les tap-tap. Je ne m'assois pas, juste comme je laisse un bon créole, je prends un cerceau. Avec un bout de canne qui est bien dans même. Ça, c'est feeling comme ça. Ça, c'est une bague qui m'empile avec les amis. Ouais. Suite au tremblement de terre, j'ai voulu que ma mère soit à Montréal avec moi le plus vite que possible. Mais malheureusement,
au niveau de la bureaucratie. C'est beaucoup de paperasse, beaucoup de demandes, beaucoup de va-et-vient, beaucoup de démarches à faire, des choses, des documents qui n'ont pas été faciles à trouver. Fait que, en fin de compte, moi, je me suis rendu en Haïti pour aller la chercher. Mais malheureusement, je suis retourné bredouille parce que le port était déjà fermé. Fait que ça a été encore long parce que ça a pris un an après le tremblement pour qu'elle puisse venir. On m'a demandé beaucoup d'informations, beaucoup de documents. Et en plus de ça, l'immigration Canada m'a fait comprendre qu'ils ne sont pas sûrs que ma mère est ma propre mère, fait qu'ils m'ont demandé un test d'ADN. Je suis arrivée à Montréal il y a quelques 7 ans de cela, à une époque où il régnait en Haïti une crise politique vraiment dure, accompagnée d'une crise économique. Surtout après avoir fait des études collégiales et universitaires en éducation et en psychologie. Donc, il m'était quasiment difficile de continuer à survivre dans un pays comme ça avec tout le bagage que j'avais. J'ai choisi Montréal parce que c'était la première occasion que j'avais trouvée pour immigrer et d'obtenir mes... et d'être dans le pays de façon légale. Mon rythme de vie avant le séisme était beaucoup plus dans la maison avec mon fils parce qu'il était plus petit. Mais depuis le séisme, on tente beaucoup plus à sortir parce qu'avec la venue de ma mère, qui est une personne beaucoup plus extravertie que moi, donc on sort davantage pour intégrer le quartier, participer aux activités de la zone. Très bien, toi. Comment vas-tu? Très bien, toi. Ça va. Bonjour. Ça va? Bien, salut, Ralph. Champion! Wow! Champion, bravo! Je vais à la Tostan, regardez. Ça, c'est la promotion. Aïe, Marie-Lise, comment ça va? Très bien. Oui. Ce sont des comptines et des berceuses que des mamans du quartier de Parc Extension et de d'autres quartiers de Montréal ont enregistrées. Et Myrta a participé. Elle a chanté 2 chansons, dont une en créole. Puis les gens peuvent emprunter... le livret avec le CD à la bibliothèque. Il y a beaucoup de choses qui me manquent d'Haïti, quoique je sois devenue montréalaise. Le côté plus amical, la fratrie, le fait qu'il y a toujours quelqu'un à la maison, que les enfants ne sont jamais seuls, qu'on n'est pas obligé de les confier à des étrangers, ou la peur qu'ils soient attaqués par quelqu'un, un étranger dans la rue. Et aussi, la liberté que j'avais de voyager d'une ville à une autre, d'aller à la mer quand bon me semblait, de savourer la canne à sucre, des ananas, directement d'un arbre, d'un manguier, nos amandes qui étaient quasiment nos endroits d'ombre. Le côté plus environnemental, paysager du pays, me manque ici beaucoup plus qu'autre chose. C'est tout. Ce sont toutes des choses que l'on regarde, on dit ici, son pays qui a plus de liberté. Ici, son pays qui est vague. Haïti, si on a la classe, on n'a pas les tombes dérangées. Les professeurs font le camp et le condé par votre Saint-Siron. Puis, la chita, puis la suivre. Mais ici, autre que professeur sort de la classe, il ne va pas faire rien encore. Ou bien, on a jour et lit. Au pire, on a dit, ok, viens avec maman, ou viens avec papa. Il y a ces mamans, son papa qui vient de la chicano. Parce qu'on fait perdre une journée de travail, et journée de travail, ça fait perdre, hein? Son trou de boulot dans le budget, pour moi, son billet va taper, en fait. À Parc Extension, j'essaie de me trouver beaucoup d'activités. Bien que ce n'est pas pareil qu'avec Haïti, mais par contre, premièrement, j'ai dû aller à l'église. J'ai commencé à avoir des amis à l'église. Ensuite, aller visiter, aller à la bibliothèque de Parc Extension pour pouvoir me refaire la vie.
Et un beau jour, Jean-Sébastien est venu me dire, « Myrta, on cherche une bénévole pour la francisation. » J'ai dit, « Je suis une candidate. » La table, c'est correct. Donc, on dit la table et non le table. En Haïti, les directeurs, on les appelle monsieur ou madame, arrivés ici. Jusqu'à présent, j'ai encore du mal parce qu'on les appelle par leur prénom. Et c'est pur la vie que, et en Haïti, on respecte les chefs, entre guillemets. Ici, il n'y a pas de chef. Il y a une collaboration. Pour faire ça, je parle ensemble avec moi. Je m'attendais, je ne me suis pas fixé. Il dit carrément, hey, je te parle. Je dis, oui, mais je t'écoute. Il dit, non, tu ne me regardes pas dans les yeux. Mm. Je dis, mais si je me regarde dans les yeux, moi-même, son signe de non-respect. Ouais. Parce que moi-même, là, quand même, là, pour faire ça, je parle avec moi, sinon, on peut s'en aller. C'est baissé tête. C'est tête baissée pour être, pour coûter. Il dit, non, mais ici, là, c'est pas pareil. Là. Quand je te parle, là, tu me fixes direct dans les yeux. Moi, je suis arrivée à Montréal en 1976. J'avais 16 ans, c'était facile. Pour moi, il n'y avait pas de défi à relever parce qu'à cette époque-là, je voulais changer d'environnement. C'était la dictature en Haïti. Je me suis très vite intégrée, je me suis appropriée des valeurs québécoises. Comme on parlait d'hiver, j'ai fait des sports d'hiver. C'était tout un monde à découvrir. Mais après 1991, j'ai fait un voyage en Haïti. Parce que je voulais retrouver les gens de mon pays, aller revivre en Haïti. Mais j'ai eu un choc. Le choc, premièrement, le lieu physique, Port-au-Prince, a changé. Ce n'était plus la même ville. Parce qu'à mon époque, c'était une ville où il y avait 250 000 personnes. C'est rendu à plus d'un million de personnes. Là, j'avais l'impression comme j'étais comme une statue qu'on a jetée dans une poubelle. Parce que pour voir toute la beauté de Montréal, une ville propre, toutes les conditions sanitaires sont réunies, et puis retourner là-bas, c'est vraiment un monde en désordre. Il n'y a pas de mots pour vraiment et qualifier Port-au-Prince, mais quand même, il y a quand même une beauté. La beauté, c'est le paysage, c'est les fleurs, c'est le soleil le matin, c'est le café, c'est les marchandes qui crient le matin. Mais le choc, c'est dans les relations avec les gens. Là, j'ai découvert que je n'étais plus haïtienne. Parce qu'on m'a qualifiée d'étrangère, de québécoise, de canadienne, tout ce que vous voulez. Parce que dans les contacts, il y a vraiment... les valeurs sont différentes. J'ai un autre regard de la vie. La conception est différente. Est-ce que j'aime Montréal? Oui, j'aime Montréal. Qu'est-ce que j'aime à Montréal? J'aime à Montréal surtout la diversité. C'est ça? Diversité multiculturelle qui vient à Montréal. Au fin de tout pays, non seulement. Au cas où on a besoin de parler arabe, on a besoin de créole, on a besoin d'espagnol, on vient tout. En fait, j'ai pu dire que à partir de ma fille Rose Mancel, j'ai dû rebâtir ma raison sociale. Et avec l'envie aussi de Myrta, j'ai pu faire le reste. L'aime de faire criver, me descend en avion, mal dans l'immigration, je remplis la forme, je finis de remplir la forme. Et Michel et maman viennent chercher nous dans l'aéroport. Nous arrivons là avec nous. Bon, le lendemain, maman me sortit avec parce que nous étions bien contents pour nous sortir, pour nous payer. Maman a acheté 4x4 autobus pour nous. Nous montons l'autobus. Très content. Nous prenons le métro. Très content. Bon. Nous et chaises comment chaises escalier bon nous étions très contents pour monter au mais l'essentiel moi qui est tombé bon il y a même pas tellement de monter encore bon qu'on y a me sorti pour compte moi depuis bon explication m'en est sorti ok donc c'est très content après ça nous remplit tout ça migré entrer dans et magasin avec nous là visiter après ça rentrer dans restaurant nous manger. Après ça, nous venons à la caille, nous venons à la caille.
moi Canada très belle. Bien content m'entrer dans un pays. Bon, moi il y a une grande différence entre Canada et en Haïti. Bon, on regarde la situation politique, tout en gain courir, mon très inquiet surtout leur abdomen, leur sortie, sur pour aller en ville. C'est leur entrée là car on est entré parce qu'on doit voilà ce qu'on sait au Kenya ou prend bas là non moi je dois même tuer au même comme vous tapez une source ou t'es stressé ou frustré mais ici c'est différent ou dormi calme au bon parfois le abdomen là moi dis-moi à pas me battre des bruits machines parfois en Haïti dans des machines bon passer chauffeur bon yo nerveux yo comprends mais ici c'est différent tout le monde très calme parce que l'abgadé ou même leur ambition parfois et les messieurs arrivent au côté comme si mon n'a stoppé on est allé d'un côté pour l'arrêter pour lui mon n'a dans ligne d'arrêt mais mon n'a pas nerveux il pas fâché même j'ai un bec en Haïti les mon arrive au côté comprends c'est différent si c'était juste pour moi je serais plus souvent en Haïti que je resterais ici c'est parce que je n'aime pas ici mais j'aime beaucoup ici. Mais c'est ce que, quand je suis en Haïti, je me sens plus à l'aise. Je me sens beaucoup moins stressé. Je vis ma vie comme bon me semble et je ne suis pas obligé de la vivre au dépens d'une paye que je dois attendre 2 semaines. L'aime la ville là, l'aime Haïti. Moi, c'est pas même bagaille là à vendre. Parce que Haïti, c'est dans ma chère ou chita ou vendre. Moi, je viens du Canada. Moi c'est pas même gain différence moi c'est dans market où yo mettez bag prix ba produit à acheter a après ça fin prend et soit acheter dans market là et ou fin prend soit pour mettre dans chariot hein prend dans market bal le supermarché et là bien gardé mais les melo a pas même market même mais les melo a son boutique on dépanneur ouais c'est ça eh ben bagarre les supermarché bon casse-croûte parce que oui il y a manger haïtien depuis haïtien aïe 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 bon moi même ça moi que de Haïti bon moi même Haïti en pile moi même Haïti bon façon que nous vivons comme si les nos amis comme si le souvent yon tou vin la kay lot nous parler ensemble nous manger ensemble nous bay blague ensemble les filles manger Haïti au goût on a à époque ça là c'est époque vacances on fait journée comprend on allons dans mission comprend nous recréer nous un peu mais ici c'est différent parce que pas fait voisinage ou pas fait voisinage tout le monde personnel moi mais ça que moi regrette de Haïti moi ma Haïti et ça que moi regrette de Haïti parce que Haïti on a dit mon OK Marla mon a pas les fonds de temps même si il travaille dans retard il veut dans travail dans retard les connaît que bon caba on passe voir comme ça là bon tout bien passé mais ici pas même genre on reste au bon lieu pour poncher. Ok, maman mettait mon contact avec centre de la famille haïtienne. On a une réunion. On a une réunion, d'après moi, deux fois on a une réunion. Ils parlent avec nous, ils font nous remplir forme, ils disent qui gens pour nous y, pour intégrer nous. Qui gens y est? Très bien. Content, oui. Merci. Qui gens passé nuit là? Très bien. Eh ben Chita non. Vous comptez la fête aujourd'hui? Oui. Vous demandez de vous poter en copie, c'est vous vous poter? Oui. Est-ce que vous pouvez regarder? Ah, ok. Moi, son CV, son monde qui fait pour vous? Oui. Ok. Alors, aujourd'hui, ça n'a pas fait. Ce n'est pas que lui mal fait, mais il a poté quelques modifications dans le CVA pour qu'au bout de l'employeur, allez, on parle pour l'entrevue, pour qu'elle a gardé ses volants, pour qu'elle a moi, je peux parler d'un deuxième retour. Retourner à nouveau en Haïti. Pourquoi? Parce que mes deux vies ici et les deux vies aussi que j'ai vécues en Haïti m'ont permis de me reconstruire. J'ai pu considérer qu'en Haïti, j'ai des points de repère. Mes racines sont là-bas. J'ai des points de repère au niveau social,
et au niveau culturel. Au niveau social, je retrouve toute l'histoire de ma famille. Mes racines sont là-bas et elles sont très profondes. Et au niveau social, mon vécu en Haïti, j'ai travaillé dans l'administration publique en Haïti, j'étais enseignante. Au niveau social, j'ai un statut. Et j'ai du respect, j'ai des points de repère, il y a des gens, j'ai une valeur et je contribue à l'épanouissement des jeunes et au développement du pays. Tandis que quand je suis en face d'un Haïtien, quelles que soient ses origines sociales, nous avons des points communs, nous avons une racine commune, nous avons une histoire commune et nous avons un rêve commun. Même les Haïtiens qui sont en dehors, qui sont la diaspora et ceux qui sont à l'intérieur, ce rêve commun, cet idéal, c'est de construire un pays où tout Haïtien, à l'intérieur ou à l'extérieur, puisse avoir un certain respect. Amen. Pour tous ceux qui nous ont quittés, la vie continue. Pour tous ceux qui sont encore là, la vie continue. Pour tous ceux qui m'ont appris à aimer, la vie continue. L'écran de télé se jette sur moi, je ferme les yeux. L'explosion est-elle en moi ou des cieux? Trouver la sortie, c'est ce que la mort te crie alors que le bruit s'amortit. Le toit et les planchers ondulent. Une seconde, une heure, le temps se fout de la pendule. Les murs craquent, les fenêtres éclatent et j'entends mon cœur débattre contre le silence qui nous braque. Oh, on est vivant. Et d'ici demain, on va tous se relever. Ce ne sera pas la fin du monde. Répondez, oh, et papa, mon Dieu, nous vivons. Tu parmi nos bêtes, y'a pas nos forces, mon vie. Ce ne sera pas la fin du monde. En bas, terre pour aller, pays, une tête en bas. Mais devant l'enfer, l'amour ouvre ses bras. Tu dois t'en sortir, tu vas t'en sortir. C'est ce que la vie décrit. Cause love is victory. Dans le cauchemar, ta foi et ta quiétude. Ta réplique se pousse de ta solitude. Pas de panique, de boudou n'est pas perdu. Solidarité, SOS par sur tous ceux qui nous ont quittés. La vie continue. Pour tous ceux qui sont encore là. La vie continue. Pour tous ceux qui m'ont appris à aimer. La vie continue. L'amour de sa vie, son futur, son passé, chuchotant son nom sous les ruines effondrées, cherchant le souvenir de lui pour chaperonner ses pensées. L'amour, l'amour, femme qui dit où aller, oublier mon femme révoltée, mais si mon aimé, enfant moins avancé, choix. Mon pays, c'est aujourd'hui que je pars, je ne t'oublierai jamais, on se reverra tôt ou tard, pas un seul bagage quand la vie en démarre. La neige à Port-au-Prince, oh, ouais. Il fait soleil à Montréal. Oh, ouais. Montréal, ce sera mon nouveau départ. Oh, fais-moi tendre. Oh, on est vivant. Donnez-moi la main, on va tous se relever. Ce ne sera pas la fin du monde. Moi, tendez. Oh, et papa, mon Dieu, nous vivons. Si ça m'y nous pète, y'a pas nous force pour nous vivre plus haut. Ce ne sera pas la fin du monde. Pour tous ceux qui nous. Pour tous ceux qui sont encore là, la vie continue. Pour tous ceux qui m'ont appris à aimer, la vie continue. Je veux vous entendre chanter avec moi, la vie continue. Mon frère, ma sœur, s'il existe un endroit que tu enrichiras, où le cœur de ton pays te suivra. Go, 1, 2, 3, plus de 75 000 Haïtiens, Québécois. Français, créole, quand je parle au futur, nouvelle culture, je me partage sans rupture. T'as perdu tes repères, t'as souffert, mais la peur est une prison et je t'attends les bras ouverts. Yes, soit livré si je veux dormir, les matins, soleil à lever. Marcher pressé, marcher pressé. Faut aller jouer un travail pour t'être li. Passe ta favorité pour t'être li. Même escalier monté pour t'être li. On allait. Quelques années
années sont passées, elle sort du boulot, fer à repasser, talons au rouleau. Il vient la chercher, belle garçon, you know how it does quand on va danser. Uno, dos, tres, elle s'en va au bal, resto haïtien dans le nord de Montréal. Et il descend du neuf, centre-ville, festival, à part qu'on danse et qu'on bâtiment. Et l'instant d'une chanson, elle se retrouve chez elle, elle se retrouve chez elle.